Alors vous allez venir vous installer confortablement dans le contact avec le sol, le corps déposé, confortablement installé. Le corps se dépose et vous venez glisser à l'intérieur de vous. Vous glissez votre conscience dans votre intériorité et vous laissez le corps se poser. Glissez aussi la conscience entre le corps et le sol pour aller rencontrer les sensations et être présent à l'endroit où ça se rejoint, où ça se touche, où vous êtes touché. Conscience du corps, de ses zones de contact avec le sol. Un espace, un endroit qui n'est ni le corps ni le sol, mais les deux à la fois ensemble. Soyez dans leur union. Et puis percevez chaque partie du corps en contact. Prolongez-vous dans les points d'appui. Et très simplement, très naturellement, relâchez dans le sol, la terre, en profondeur. Et puis laissez le corps physique se relâcher, s'abandonner de tout son poids. Permettez au mental de se relâcher, à votre esprit de se détendre, de s'apaiser et de ralentir. Et puis lancez une invitation, une autorisation à votre âme à s'éveiller, à se révéler à vous, à elle-même, à être présente. Et permettez-vous d'être à l'écoute du mouvement de votre âme. Laissez votre présence se placer dans votre corps, dans votre mental, dans votre âme. Et au niveau de votre cœur, à la fois sous et derrière votre sternum. Laissez-vous vous poser là, dans la conscience d'un moment particulier de votre année, de votre saison de vie, du cycle des saisons. Et dans cette disponibilité au renouveau de vous, laissez-vous respirer. Et puis laissez la respiration inspirer le contentement et la gratitude. Et laissez chaque expiration la diffuser dans tout le corps. Laissez un profond sentiment de satisfaction vous définir et vous envelopper. Laissez-vous sentir à chaque inspire ce mouvement de la confiance, de la foi, du désir de vie qui vient, qui vous pénètre. Et à l'expire, vous lâchez les doutes, les peurs. Vous relâchez. Vous commencez à travers la respiration à nourrir un désir de vie, un sentiment d'amour de votre vie. Comme si vous tombiez amoureux, amoureuse de votre propre vie et de vous-même.
Vous vous faites des promesses d'avenir pour vivre bien et mieux avec vous, pour avoir de l'envie pour soi, de soi. Une pulsion de vie que rien ne peut arrêter. Des forces vives. Et vous qui dites oui. Vous vous élevez en amour avec vous-même. Et vous avez toujours votre présence placée au niveau de votre cœur, sous et derrière votre sternum. Alors, les valeurs qui sont dans votre cœur, dans votre vie, se révèlent. Vous observez un sentiment de votre cœur qui émerge, qui s'appelle la simplicité. On pourrait aussi l'appeler la confiance, mais c'est vraiment la simplicité. La simplicité d'être présent à votre ressenti. La simplicité d'écouter ce que vous dit votre corps. La simplicité de vivre et de vous laisser traverser par vos émotions. La simplicité de reconnaître votre intuition. La simplicité du cœur. Et puis, laissez venir un sentiment d'humilité. Paradoxalement, elle est la force de vie qui vous traverse, qui s'ancre à la terre. La force qui connaît votre place, votre valeur, votre savoir et votre nature véritable. Humilité dans ses conditions d'être humain, incarné, à votre vie. Alors juste à côté, il y a un sentiment de patience qui se montre. Dans votre cœur, donc avec amour, qui vous enseigne les cycles, les passages, le rythme de ce qui est, de ce qui va et vient, de ce qui vous laisse et de ce qui advient pour le meilleur. On pourrait dire que cette patience est aussi sagesse et connaissance. Nous, on va l'appeler la patience. Alors, vous vous glissez dans un autre sentiment qui est un profond sentiment de gratitude, qui est lié à la patience, qui est lié à l'humilité, à la simplicité, à la reconnaissance, depuis un état libéré de tout attachement. Cette gratitude qui est la voie de l'amour, de votre condition humaine. Compassion qui est fait d'accueil, d'altérité et d'une infinie bienveillance. Vous restez très simplement dans cet état d'être, ce sentiment de savoir au niveau de votre cœur, dans Anahata. Vous placez votre présence, vous concentrez votre conscience sous et derrière le sternum.
Et c'est comme si votre cœur pouvait grandir, comme s'il pouvait s'étirer et devenir infiniment vaste. Comme si le cœur pouvait s'éclairer de plus de conscience. Comme si la qualité de l'amour, c'était la lumière. Alors vous allez placer une lumière infinie dans l'espace de votre cœur qui éclaire chaque espace. Et vous allez placer ce symbole du soleil dans votre cœur qui produit et qui émet la lumière. Laissez ce soleil être celui qui transforme, qui purifie, qui alchimise. Et donnez-lui toutes les formes qu'il est possible d'imaginer. Un rayon de soleil, un feu dans une cheminée, une bougie, des chandelles, des lampions, mais aussi des yeux qui brillent et qui pétillent, un sentiment amoureux infiniment lumineux, le reflet de l'eau qui brille, éclairé du soleil. Cette énergie du soleil et du feu, de la lumière qui éclaire. Avec amour, votre vie. Alors prenez conscience que toute votre vie est reliée à la lumière et au soleil. Parce que votre vie est éclairée par la lumière. Parce que c'est la lumière qui reflète qui vous êtes et vous matérialise, vous rend réel, rend possible votre existence. Laissez l'énergie du moment, les forces de vie qui reviennent, l'énergie remontante. Nourrir à la fois de la confiance, de la détente, plus de lumière, plus de clarté et plus de force. Laissez les valeurs du cœur resplendir, briller et scintiller dans un esprit d'amour pour votre propre existence qui va vous conduire jusqu'à la date d'anniversaire de votre jour de naissance. Imaginez être en conscience ce jour-là. Avec la possibilité aujourd'hui en conscience et avec cœur, avec clarté, de dire oui. Oui à la vie. Oui à votre vie. Oui à l'incarnation. Oui à la joie d'être né en dépit et grâce à tout. Et aussi oui aujourd'hui à plus de vie dans votre vie. Plus de lumière, plus de clarté, plus de chaleur et plus de force de vie. Il s'agit bien de naître et de renaître à chaque instant. À chaque inspire, c'est la vie qui vient.
Et à chaque expire, c'est la vie qui part, mais rien ne peut arrêter le nouvel inspire, le retour à la vie, le oui à la vie. La profondeur de cet inspire, comme un engagement ultime, à renaître à vous à chaque instant. À vous remercier de qui vous êtes. À faire corps et âme avec votre existence. Totalement vivant. Prenez quelques instants pour savourer cet instant, cette façon d'être là, à votre façon. À l'intérieur même du corps, à l'intérieur du cœur, à l'intérieur même de la respiration, à l'intérieur de toute votre vie, de tous les temps. À l'intérieur du moment présent et infini. Prenez ces quelques instants pour accueillir, pour remercier. Saluez ce retour de la lumière en vous, à travers vous. Partout et en toutes choses. Vous prendrez le temps dont vous avez besoin, soit pour rester dans votre espace de conscience de cette façon-là, soit pour revenir à une présence un peu plus ordinaire, mais gardez votre conscience comme flottante, c'est-à-dire capable d'être reliée à la terre comme au ciel, au cycle de vie, à l'air du souffle, au soleil, au temps. Aux saisons, au temps qu'il fait et à votre vie. Laissez cet éveil sur un état amoureux être votre nature. Laissez-vous être cela. Et quand sera le bon moment pour vous? Vous laisserez les yeux s'ouvrir. Vous laisserez le corps bouger comme une première fois, comme un premier contact avec la vie et avec le cœur infiniment rempli de gratitude, dans cet état de gratitude, vous viendrez vous remercier. Remercier pour votre vie, pour le don de vie et remercier pour les temps qui viennent et pour le temps qui est maintenant. Maintenant. Maintenant.